Bon les amis, coucou, bonjour, comment ça va? Est-ce que le moral est super bon? Est-ce que vous allez super bien les amis? Alors, moi ça va les amis, hein. Bon, j'ai commencé à préparer ma terre, mais qu'est-ce que c'est humide? Alors qu'est-ce que je voudrais faire ici en ce mi-février? Eh bien, je voudrais commencer mon ail, les amis. Donc j'ai donné un petit coup de fraisage, léger en surface, mais qu'est-ce que c'est humide les amis, hein? Qu'est-ce que c'est humide? Bah autre, hey, on va quand même pas attendre le mois de mars. L'ail en général c'est plutôt on va dire mi-février. Là en plus ça aime le froid et on a 13 degrés. Mais c'est incroyable les amis, hein. Il fait super doux, hein. Mais alors on a une petite bruine légère, là ça se calme, normalement on a un rayon de soleil, ça devrait sécher cet après-midi. Alors les amis, oh, puis j'entends une alouette les amis, dans... alors je vais vous dire, je commence à revoir quelques ramiers. Alors les ramiers signent que le printemps arrive tout doucement. Alors bon les amis, commencez à préparer votre terre. Commencez à préparer votre terre, hein, bien sûr. Et puis moi, vous avez vu la taille de mes mange-tout, qui font déjà plus de 5 cm, qui demandent qu'une seule chose, c'est arriver dans le jardin, les amis. Hein. Ah ouais, c'est pas évident. En tout cas, j'ai quand même commencé à donner un petit coup de fraise. Là-bas, vous voyez, hop, juste à l'endroit du petit motoculteur, les amis. Alors vous voyez, c'est ici que je vais implanter mon ail, les amis, mais c'est vachement humide, hein. Bon les amis, je trouve que cette année, c'est vraiment pas facile, hein. Regardez, les mange-tout qui demandent qu'à une seule chose, c'est être repiqué dans le jardin. Alors, oh punaise les mange-tout, hein. Et mais alors qu'est-ce que c'est humide les amis, mais qu'est-ce que c'est humide, hein. Voilà nos petites salades, là, bon, ça va à peu près, hein, mais, regardez, bon, on a quand même bien avancé, hein, avec notre persil et nos petites salades, mais, alors, pour l'ail, les amis, moi, je vous invite à préparer vos gousses d'ail de l'année passée. Ça, c'est mon ail de l'année passée, les amis, et il faut récupérer... Vous voyez, bon, j'ai déjà fait un peu de stock. Récupérer les plus grosses, vous voyez, les plus grosses gousses qui se trouvent sur les côtés. Là, on le voit mieux, regardez. Les grosses gousses qui sont sur le côté, c'est-à-dire, vous voyez, comme ceci, là, hop. Prendre celle-ci, on va prendre celle-là, regardez, hop. Voilà. Donc, et toujours la pointe vers le haut, les amis, hein, la pointe, là, hein. Cette pointe-là, hein. Donc, moi, je vous invite à faire, à préparer votre ail, si vous êtes d'accord. Alors, ça se plante sur un sol à plat, carrément à plat, et on va les implanter tous les 25 cm. Pourquoi je laisse 25? Moi, je laisse beaucoup d'espace. Eh bien, parce que il faut pouvoir aller avec une petite binette entre deux, hein. Donc préparez bien votre terre. Bon, j'ai donné un petit coup de fraise. Vous faites comme vous voulez. L'affiner, je crois que ce ne sera pas possible parce que c'est trop humide. Mais moi, je vais commencer à l'implanter, les amis, à faire quelques lignes d'ail. Bon, les mange-tout, je ne sais pas, ça attendra peut-être un peu. Mais en tout cas, je voudrais démarrer l'ail, les amis. Allez, on verra ça demain. Alors, un petit rappel pour ceux qui pouvaient toujours... implanter des petites salades, faire des petites laitues, regardez, hein, ça c'est du céleri, là c'est des petits poireaux, ils sont pas mal mes petits poireaux là, hein. Forcément ils poussent bien, hein. Hein, il fait doux, hein. Un petit peu de persil, voilà, et un petit peu de mesclun là-bas, bon voilà les amis, bon en tout cas, ça avance lentement les amis, hein. Je suis désolé, hein. Ça avance lentement, hein. C'est pas fabuleux, hein. C'est pas fabuleux cette année, hein. C'est franchement pas fabuleux. Je vous envoie plein de joie, plein de bonheur. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent faire de l'ail et qui n'ont pas beaucoup de place, vous pouvez démarrer ça aussi dans un petit pot. Voilà, hein. Ça peut se faire aussi dans des petits pots, hein. Bon, allez, les amis, j'ai pas trop le temps. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Je voulais vous le faire voir, mais l'ail, je l'ai mis...
J'ai mis du côté de la maison, donc c'est à 200 mètres d'ici. Allez, je vous dis à bientôt. Pour, préparez bien vos gousses d'ail. Et demain, on va attaquer ça. Normalement, demain, il pleut pas. Je vais essayer d'affiner au mieux, mais tant pis, hein, je vais implanter. Ah, préparez votre cordeau avec votre ficelle. Hein, faire une ligne bien droite. Allez, bye bye les amis. Allez, on attaquera ça plus tard. Allez, bye bye.